Lucas! 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 Oh merde! Non, non, non! Et tu vas bien? Enflammé! Sortez! Aide-moi à le détacher! Mais qu'est-ce que... Qui a fait ça? Je crois que c'est moi. Je sais pas à quoi vous jouez, mais il faut se calmer, là. Il faut se calmer. Pousse-toi, Trésor! Ça ne fait que commencer. Écoutez, il a rien à voir là-dedans. Il peut rien pour vous. Anakayade. Tu sais, il paraît que ton frère était une vraie Dolor en el culo autrefois. Mais toi... Merde! Laissez-les tranquilles, tout vient de moi. Oh, je sais. Crois-moi, je sais, il y a un paquet de trucs dont t'es responsable. Un gros paquet. Oh putain, non, il le sait! Il sait tout, cet enculé! Je suis vraiment désolé, Lucas. Heureusement que mes voitures sont pas ici. Ça, il sait pas, ça. Je vais pas vous le dire deux fois. Non, je vous en prie. Et vous les amenez où? Je les emmène juste au poste. Faut qu'on parle. Ah ben tiens, ils veulent des infos sur mes caisses? Jamais! Enfin, mais alors, je préfère me prendre pour 40 ans de prison ou 100 ans, frère. Que dévoiler où sont mes caisses. Putain, je te jure. On va s'en sortir. Heureusement que la Mustang, je suis un peu... Ah non, ils vont la saisir, c'est vrai, la Mustang. Hé, hey, le poste est par là. Où est-ce qu'on va? La ferme. Regardez. Vous l'avez trouvé? Comment? Comment ça, comment? C'était votre piège? Quelqu'un a parlé, et je veux savoir qui. On ne dira rien. Ouais, on dira rien! Mettez-nous 100 ans de prison! Dites-moi! Vous voulez savoir qui a ouvert sa grande gueule? On dira. Regardez rien surtout pas le volant, les tant gars! Tant qu'on sera pas libérés. Oh, vous allez parler! Parce que je vais vous faire parler! Et vous savez où je vais? Directement chez ton connard de frère! Et on va voir en combien de temps il craque si je me mets à tout péter dans son beau garage de merde! C'est ce que son père aurait voulu. Voilà. Enfin, je pense, hein. C'est évident. Lucas! Lucas, sors-nous de là. Vous allez bien? Lucas, ouais, ça va, je crois. On y va? Allez. Tu veux que je conduise? Je sais pas le demander. Allez, allez! En plus, il l'a blessé, ce connard. Ah non, 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 il l'a pas blessé, non, c'est l'accident. C'est à cause de l'accident. Bah ouais, elle va récupérer les preuves, elle a raison. Un collègue a besoin d'aide. Possible accident, alors nous prochaine émeraille. Visuel sur zone. Merde. Un agent est touché. Anna, fonce. On est en présence d'un délit de fuite. Oh oh. Pousse-toi, Trésor. Il aurait dû prendre un Mustang, elle est beaucoup plus rapide. Je sais, j'aimais bien cette caisse, mais j'aime bien ma Mustang, mais non. Ben, c'est vrai. Ma Must GTR, ouais. Ma Must GTR, c'est ça. Oh putain de merde. Et heureusement que je connais un peu la ville. Hein. Où est-ce qu'on peut aller? Je connais un spot. Là au Grand Nord. Bah écoute, tant qu'on n'a pas les flics au cul, c'est ce qu'il y a de bon. Ouais, bien sûr, dis-moi. Tu pourrais aller chercher avec tes potes mes voitures au garage des Rivera et les amener à Clopentin. C'est jouable, mais pourquoi? Les flics nous ont à l'œil, on va pas retourner là-bas. Les clés sont sur le crochet. Va chercher les voitures, je t'enverrai l'adresse quand tu seras en route. Ouais, il parle de mes caisses! Il parle de mes caisses, ouais. Je sais où c'est. Et aussi, va récupérer la Mustang, s'il te plaît. La Must GTR, c'est ça, récupère-la, s'il te plaît. Tu voles du matériel de police? Torres, ton plan a bien failli nous tuer. Donne-moi l'ordi, ne t'en mêle pas. Tu n'as pas idée de ce qu'il contient. Alors là, tu vas me rendre curieux. Donne-moi l'ordinateur. On se recontacte.
Attends, je vais réparer ta voiture, attends. Je connais un petit mécano dans le coin, là. Voilà, répare-nous la voiture. Voilà, merci. Il a juste rafistolé 2-3 trucs, il y a encore des griffes. Mais t'inquiète, maintenant, elle peut rouler. Quand je faisais mes trucs illégaux, voilà, j'ai appris à faire un petit peu de connaissances, justement. Dommage qu'on peut pas avoir ce garage à la fin du jeu. Hein. En fait, il faut vraiment un mode, quoi. Littéralement. C'est pas croyable. Pourtant, je connais bien ce coin-là. Avec ce garage, je voyais bien les néons de mes voitures. C'est ça. Quoi cet endroit? Quand ça bardait à la maison, c'est là que je venais. T'as dû venir souvent. Hé hey Lucas, tu m'as pas parlé de cette planque pour mes voitures. T'en as pas parlé. Lucas. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon. C'est en avis des planques, hein. Mais jamais celui-là. C'était après une course. Pas indispensable, mais j'aimais tellement ça. Les flics sont arrivés. Ils m'ont embarqué. Ils m'ont laissé téléphoner. Papa a décroché. Je pensais me faire engueuler. Plutôt, je pensais à ce que j'allais dire. Mais pour la première fois, il y a pas eu de cri. Du tout. Silence. Il raccroche. 3 heures plus tard, je poireaute. Je me dis, ok, il me fait mariner pour que je retienne la leçon. J'ai passé la nuit dans ma cellule à le maudire. À le traiter de tous les noms pour m'avoir laissé là dans cette situation. Le lendemain matin, un flic se pointe. Il m'annonce sa mort. Crise cardiaque, un peu après avoir accroché. Désolé de pas t'en avoir parlé. T'as vécu avec ça depuis tout ce temps? J'avais pas trop le choix. Lucas, tu peux pas t'en vouloir. C'est pas ta faute. Ah si, si je m'étais arrêté plus tôt, si je l'avais écouté. C'est trop tard. Tu es ici, avec nous, maintenant. C'est tout ce qui compte. Il y a des gens qui cherchent clairement à nous éliminer. À détruire tout ce qu'on aime. Tout ce que papa a construit. Je les laisserai pas faire. Et moi non plus. En plus, moi, il y a mes caisses que j'ai pas envie de... Voilà. Si on veut les avoir, faut au moins faire en sorte d'avoir la voiture pour ça. Oh oui. Bah moi, si tu veux, j'ai une Porsche aussi, hein. Si tu veux. J'hésite à la sortir, mais... Là, on va pouvoir discuter. Mais bon. Ça fait partie du plan. Comme ils savent tout, je me dis que finalement, je peux sortir ma Porsche. Si vous en pensez. Merci de regarder des vidéos sur nous, là-dedans. Il y en a sûrement d'autres qui peuvent compromettre son opération. Assez pour le faire plonger et pour prouver à la Ligue qu'on n'a rien à voir avec cette histoire. Ah merde! Faut qu'on le craque, c'est tout ce qu'on a. On va deviner. Il a un chat, Mercer? Ouais, on va dire que j'ai rien entendu. Ah, et t'as une meilleure idée, peut-être? Moi, oui. Attendez. Ah, ils connaissent tous les Asiatiques, hein. Je pense qu'il connaît peut-être quelqu'un pour le craquer. Ça vous dérange pas que je sors ma Porsche? Dis, je croyais que t'avais une sorte de plan pour l'ordinateur. Tant qu'on l'aura pas débloqué, on restera coincé ici.
Non, désolé, désolé, mais attends, j'ai oublié un truc. Désolé. Moi aussi, j'ai une caisse en réserve qui attend d'être sortie. Je vous l'avais dit, on les voit mieux, les néons, les gars. Putain, pourquoi on n'a pas ce garage? Toi, le genre, là, tu peux mettre tout ton crew, c'est ça? Ça, c'est bien, ça. Attends, je vais mettre une bagnole. Attends. Je vais mettre toutes mes voitures que j'ai modifiées. C'est ça. Oh, elle est belle la Porsche. Ouais, t'inquiète pas, j'ai une solution pour l'ordinateur, t'inquiète pas. Ah oui, je connais quelqu'un. Tu vois la meuf des rallyes, là? Je pense qu'elle s'y connaît là-dedans. Je vais aller la voir. Enfin, je pense que c'est elle, je crois. Ah. Ouais, je pensais ça. Il connaît quelqu'un. Tagomi. Je me demandais quand est-ce que j'allais la sortir, justement. Cette version de ma Porsche. J'ai essayé une ou deux fois dans la nuit avec cette caisse. Mais moi, je préfère mieux sa version de tout terrain. Mais pour le jour, cette version est parfaite. Parce que sinon, ils vont reconnaître ma Mustang, tu vois. Ici, tu vois, ils m'ont pas poursuivi. C'est parfait, quoi. C'est parfait, hein.
Il va demander à la meuf, c'est ça. La meuf des rallyes, là. C'est ça. Des rallyes, li. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai besoin de ton aide. Et moi, j'ai pas besoin d'emmerde. Tous les flics de la ville te recherchent, figure-toi. Ouais, ça, c'est parce qu'on a des preuves pour les faire tomber. On a un ordinateur qui contient de quoi envoyer Mercer au placard pour un bout de temps. Sauf que c'est protégé par un mot de passe. D'accord, je vois. Attends. Regarde, je viens de t'envoyer quelque chose. Pose ton téléphone à côté de l'ordinateur. En principe, il devrait le craquer en quelques minutes. Waouh ! Merci. L'important, c'est de tenir bon, ok ? Si vous pouviez faire plonger ces flics, c'est sûr, ça nous filerait un bon coup de main. Maintenant, tirez-vous. Tu vois, c'est pour ça qu'elle voulait faire profil bas. C'est à cause de nous. C'est super. Du nouveau ? Je t'envoie un logiciel capable de craquer cet ordinateur. Pose ton téléphone à côté de la bête et il devrait l'ouvrir automatiquement. Ok, compris. Je suis en route. Je serai bientôt là. Je te mets sur HP. Il se passe un truc. On dirait qu'il sort de veille. On y est. Plus besoin de mot de passe. Je vois un tas de dossiers. Ouais. T'es un génie. Pas vraiment. Je connais un génie plutôt. Bon, on n'a plus qu'à trouver les bons fichiers et filer cet ordi à la presse en tant que preuve. Les journalistes vont juste halluciner. Attends. Apparemment, un programme est en cours d'exécution. Police, hardware, tracker. Un programme à toi ? Je sais pas. Je crois pas. Vous entendez ? Il suit l'ordi à la trace. On bouge ! Laisse-le ici ! Non. Changement de plan. On emmène l'ordi et on s'arrange pour envoyer les fichiers à la presse par email. Retrouve-nous au vieux centre commercial. La corvette en première. Il me reste à trouver des fichiers compromettants pour Mercer. On se dépêche. Voilà. Bingo. Les bordereaux de la fourrière. Voiture, date, IMAT, identité, PV. Mais devinez quoi? Le nom de Mercer est partout. Au revoir. Je déplace tout le dossier. Mais où est-ce que t'es? Envoie en cours. Ça, regarde la route. Les flics nous font pas mal. Pas encore. De la part de Frank Mercer. Lucas, on y est presque. Cette voiture est construite pour durer. Elle encaisse bien les chocs. T'inquiète pas, la mienne aussi. Hein. Bon, peut-être un peu moins, finalement. Elle prend une plombe, ta pièce jointe. Le signal est faible, ok? Fais-nous gagner du temps. La voiture tient le coup. C'est ça, donne-moi du fil à retordre. 99%. Thank you.
se fait décalquer là. Maintenant, à la maison. Ce soir, l'honneur bafoué de l'uniforme, alors qu'un policier haut gradé est en fuite. Le lieutenant Frank Mercer, chef de la fameuse unité spéciale anti-délinquance routière, a disparu après avoir été suspendu suite à des accusations de corruption. Ces mesures faisaient suite à la découverte de documents confidentiels envoyés aux journalistes de WFFL. La police refuse de commenter ces informations, mais nos journalistes supposent qu'il serait question d'extorsion et de vol organisé dans le milieu de la course clandestine que Mercer était censé démanteler. Dans un communiqué, elle déclare « Le lieutenant Mercer sait qu'il est suspendu de ses fonctions et nous lui demandons de se rendre afin d'aider les enquêteurs. » Dans le reste de l'actualité, yes! Yes! On va le faire tomber, Mercer! Et oui! On est en train de le faire tomber! Maintenant, il ne reste plus qu'à le, retrouver. C'est ça. Gaffe à toi, ok? Tu peux être n'importe où. Oui, ça va, je sais. On a Mercer. Les voitures, du moins. Retrouve-nous, je t'expliquerai. Hey, c'est Dex. Je sais que t'as d'autres chats à fouetter en ce moment, mais si tu veux passer à la vitesse supérieure, je teste des circuits pour le showdown de l'an prochain. Retrouve-moi dans le centre-ville et je t'expliquerai. Je vais te faire t'y voir. C'était chaud. On a dû semer quelques flics. Ça va? Zéro flic. C'est parti.
Les camions qu'on cherchait? On en a repéré un en direction des quais. À tous les coups, c'est Mercer qui sort les voitures de la ville. Alors, c'est quoi le plan? On peut pas appeler la police. Mercer a des complices partout. Il doit bien rester quelques flics honnêtes dans cette ville. Après ce qu'on a vu, à mon avis, ils sont pas nombreux. Du moment qu'il en reste. Le truc, c'est de réussir à distinguer les bons des mauvais. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de tous les attirer au port. Tu rigoles? Tu veux entrer dans la légende, non? Ok, la star. On fait ça. Je vais passer le message au crew, à la Ligue, tout le monde. Où qu'ils soient, qu'ils sèment la pagaille et qu'ils attirent un maximum de flics à Port Murphy. Et on fait quoi? On met le cap sur Eden Shores. Nous aussi, il faut qu'on remue la merde. Les amis, je crois que le moment est venu pour moi de reprendre le volant. Je reste pas si tu conduis. Moi aussi, je t'aime. T'es tout rouillé, mon frère. Et la mémoire musculaire, alors? Tes muscles l'ont perdu, non? Hey, Anna peut venir avec moi. Cool. C'est la meilleure nouvelle de la soirée. Bah ouais, je pense qu'Anna a aussi un bon potentiel que son frère, c'est vrai. Prends ton prochain virage. On y est. Si on veut leur attention, autant ne pas traîner. Ouais, on va faire en sorte qu'ils nous remarquent. On serre les coudes, hein. Ok, les gars. Allons foutre le bordel. Quelqu'un me confirme le groupe de véhicules à grande vitesse repéré à Eden Shores? Besoin d'une confirmation? Écoutez ça! Merde, reçu, j'envoie des unités. Vous entendez ça? Ils arrivent! Ok, Rivera, c'est pas impossible qu'on s'amuse. Ces connards font la course devant le poste de police! Approche en cours, coupons-lui la route. C'est bon, on les tient. Attirons ces guignols à l'endroit prévu. Si un seul de ces flics raye ma voiture, je colle un procès à la ville. Ok, ça part vers le sud. On a rejoint la poursuite. Faut pas que je somme les flics, tu vois. J'essaie de les attirer vers moi, justement. Centrale, on a besoin d'effectifs en raison d'incidents multiples à Rockville, Edgewood, Sandy Laurentis, un peu partout, quoi. Vous entendez? Ça marche. Hé, Manta, je voulais te demander, c'était comment, la tôle? Ça fait un bail que j'y suis pas allé. Et je prévois pas d'y retourner. Vraiment? Vraiment, je suis désolé. T'es pardonné. Pour l'instant. J'ai bien fait de t'accompagner. Hey, je pensais que ton ami flic nous épargnerait les barrages. Ça m'étonnerait qu'elle ait apprécié que je refuse de lui filer l'ordinateur. Mais hey, on lui a déjà rendu, non? Comment tu déchires? Ok, on arrive au spatioport. Ouais, j'ai toujours rêvé de conduire à fond ici. En fait, je crois que je te connais mal. Track des suspects, secteur spatioport. Faudrait contrôler ce merdier. Qui veut un gros plan sur la fusée? Ha! Je t'aime bien, Rivera! Espérons que ce machin décolle pas! Wouh! Merde! J'envoie des unités supplémentaires, il faut tout de suite arrêter ça. Oh, le but c'est d'attirer les flics! Bah oui, c'est évident! Fin de la visite! Il faut partir! Les suspects quittent la zone de lancement. Sortie ouest. Anna,
ça. S'ils envoient des renforts, on n'y arrivera pas. Reste. J'ai l'habitude contre ces rhino-tanks de fils de pute. Oui, on va les amener où est-ce qu'il y a la planque, c'est vrai. On arrive à l'endroit où les camions ont été repérés. On y est. Faites gaffe à vous. C'est bon, les voitures n'iront nulle part. On a réussi. On est tombé sur quoi, au juste? C'est pas bon signe. On est tombé sur un agent qui essayait de sortir de l'eau. Il dit que le lieutenant Mercer est toujours là-bas. Où ça? Mouh! Ils sont la paix, frère! Oh! Oh! Ouais, bah c'est pas avec ça que les flics vont le rattraper. T'as me dit quelque chose, cette caisse! Mais nous, oui. Vas-y, il faut que je lui fonce dessus! Normalement, il y a moyen de les foncer dessus, attends. Je vous préviens, arrêtez ça. J'avais trouvé une technique à l'époque, je me souviens. Et maintenant, on vient. Vous pensez pouvoir l'arrêter? Agent Torres. Une idée. Elle vous plaît pas? Écoutez-moi, il est dangereux. Si vous y parvenez, ne le confrontez pas. Je m'en occuperai. Si vous pensez que vous allez gagner... Ah par contre, il... maintenant il est beaucoup plus dur. Avant il était facile. J'avais réussi à le one shot une fois. C'est ça. Je dis ça, mais... Oh putain, il reste pas aussi compliqué, ça va en vrai. Ouais, fallait faire comme ça, fallait l'avoir dans les virages. Ouais, parfois c'est bugué, hein. Non, non, non. Il a pas l'air... Et voilà. Le timing parfait. Faut que je me tire rapidement. Toi? Torres? Eva? Si je plonge, ça pourrait mal tourner. Pour tous les deux. C'est vrai. Je pense que là j'ai fini mode histoire, normalement je gagne la BM. C'est ça, voilà. C'est ça la récompense en fait, c'est ça. La police a suspendu ses recherches de l'ancien chef de l'unité spéciale anti-délinquance routière, Frank Mercer. Dans un communiqué, elle indique que l'ancien policier serait mort, bien que son corps n'ait pas encore été retrouvé. Cela fait déjà un peu plus d'une semaine que le lieutenant déchu a voulu échapper à ses anciens collègues avec une cargaison de voitures volées. Il y serait parvenu si un célèbre pilote de course urbaine, dont on ne connaît pas encore l'identité, n'avait pas aidé à récupérer ses voitures.
D'après une enquête préliminaire, elles auraient été délibérément mises en fourrière illégalement au cours des derniers mois. Suite au scandale, l'unité spéciale a tenu à réagir pour calmer l'inquiétude de la population en nommant un nouveau responsable et en faisant cette déclaration. Merci. Frank Mercer avait détourné les moyens de cette unité pour servir ses intérêts personnels, mais c'est terminé. Cette unité sera réaffectée à sa fonction première, mettre fin aux courses clandestines. Du temps de Frank Mercer, ses exactions n'auraient jamais cessé. Avec moi, elles cesseront. Ouais, bah reste à voir, hein, écoute, hein, si t'y arriveras. Bah, c'est sûr qu'avec Frank Mercer, c'était beaucoup plus facile, c'est sûr. Ça ? C'est ça que tu me donnes ? C'est un véhicule fiable. Je conduis pas ça. Vu ce qui est arrivé à tes deux dernières voitures, tu devrais me remercier. Elle est parfaite pour faire ses premiers pas. Lucas, je suis dans la ligue. Si je me pointe avec ça, on va clairement se foutre de moi. Ah. Ok, t'es chez les meilleurs. Et tu seras toujours ma petite hija. Mira, venga, pa' que mais tranquille, non ? Allez, allez. C'est Tagomi qui l'a restauré. Il y aurait eu de Lucas, il aurait passé la... Bon, ok, j'avoue, Lucas, il m'a aidé aussi. T'auras quand même besoin d'aide. Tu veux dire que tu rejoins notre crew ? Je vais revenir sur la piste, ouais. Tu sais, histoire de retrouver un peu mes sensations. Super. On va faire un tour ? Allez. Prenez soin l'un de l'autre. Les quatre coins de l'État, ils vont venir vous affronter. Sans compter tous ceux qui veulent juste vous arrêter. Et ils sont nombreux. Bref, si vous cherchez des ennuis, vous faites pas attraper. Dommage, j'aurais dû avoir un DLC, je crois, mec, si tu veux. Allez, fausse promesse d'y aller. La Ligue t'a laissé un cadeau pour te remercier d'avoir récupéré les voitures. J'ai hâte de revoir un vrai... Oh putain !